Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Lost Odyssey. Je tiens à préciser que malgré la numérotation de l'épisode, je n'ai toujours pas fini le complexe expérimental. Effectivement, j'ai fait deux essais sur le boss, mais je reste bloqué, notamment en raison du faible niveau de mes personnages mortels, et également parce que j'aurai besoin d'un sort qui se trouve dans la suite de l'aventure. Du coup, on va attaquer le Grand Sceptre, mais avant ça, on va faire un petit saut aux montagnes Ypsilon. Allez, c'est parti! En fait, au Temple des Lumières, on a récupéré un objet qui s'appelle le laiton, et ça va nous permettre de forger une arme des plus puissantes. Ok, c'est ce monsieur qu'on vient voir. Hé, attendez une seconde, qu'est-ce que vous avez là? Ce reste du laiton? Cette couleur, ce brillant, pas de doute, je n'aurais jamais cru pouvoir en trouver ici. Pourquoi un tel enthousiasme? Ce minerai est-il si rare? Rare ou pas, l'heure n'est pas aux explications, c'en est trop, à vous de décider. Ça va être vous? Ou vous? Vous ne pouvez en choisir qu'un. Alors en fait c'est pour obtenir une arme et un autre équipement, je crois que c'est un anneau. Seulement on peut en choisir que pour un seul des personnages, Kame ou Sati. Kame ayant déjà l'équipement royal de Tolton, on va donc choisir Sati. Très bien, attendez ici. Hé. Tenez, prenez. C'est la plus belle et la dernière œuvre d'art de toute ma vie. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? C'est pas mal. Et l'anneau de fer blanc, vol d'objets rares, absorption, dégâts plus. C'est bien aussi. Là, j'ai vraiment de quoi faire niveau anneau. Allez, on file au Grand Sceptre. Très bien, nous y voilà. Alors, par où faut s'avancer aussi? Vous ne pouvez pas revenir à ce point, mais si. Ok, c'est parti.
Ben alors. J'aime mieux ça. Alors, ils sont ridicules par rapport à ce que j'ai rencontré dans les derniers niveaux du complexe. Hein. Mécanique et vent. Je peux même faire un combo 3. Bon. On va faire comme ça, on verra après. Lui c'est peut-être pas du feu. Terre, donc c'est de l'eau. J'ai pas à quoi maxi, mais je pense que c'est justement au grand sceptre qu'on le trouve. Mais c'est pour un tout autre sort que je suis venu ici. Et évidemment pour continuer l'histoire. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est normal. La terre, c'est le vent. Pourquoi j'ai fait de l'eau, moi? Bon, de toute façon, il est cuit, à mon avis. Au cas où... Ouais, je vais pas save ici, je vais save plus loin. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre l'autre chemin avant. Ah non, ça a l'air ok. J'ai vu un coffre. Ah bah, parfait. Il y a une échelle ici. Il y a un passage par là. Ouais, je vais essayer l'échelle avant. Merde. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ah mais d'accord, en fait c'est juste pour remonter. Bon bah c'est réglé. Oui,
J'espère que Ced il va prendre quelques niveaux ici. Sinon faudra que je le fasse progresser. Ah non! Il sera insensible au sort. Hein. Elle est vachement stylée comme monstre en tout cas. Il a pas l'air de prendre tellement d'XP Ced. On verra. Allez, une de plus. Je dois en avoir une vingtaine de trop là. L'armurerie. C'est quoi ça? Ah ok, d'accord. Expérience numéro 1. 11 000 points de vie quand même, hein. Ah putain, il doit lui rester que dalle. J'aurais dû faire un shoot avec Ced. Attends, il y a un monstre par tube là? Apparemment. Il y a peut-être un truc à la clé. Je me suis gouré. Parce qu'il a changé de place le sort en fait. Vu que j'en ai un nouveau.
J'ai oublié un truc très important. Là, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas partout, en fait. Ça marchait pas des masses, je crois. Je vais réessayer un coup. Ouais, la magie passe pas dessus, j'ai l'impression. Putain, Ced, il a pas pris un seul level depuis que je suis là. L'échelle ou le terminal? Ouais, je vais d'abord actionner le terminal. Ah oui, en fait, c'était pour traverser. C'est la même échelle. Enfin, j'ai bien l'impression. Ça doit être pour remonter. Bon, je vais sûrement louper des objets de toute façon. Au pire, je pourrais retourner à la salle des enchères. Attends, je suis revenu en arrière là ou quoi? Ou c'est une autre salle? Non, il n'y avait pas d'ascenseur dans l'autre, c'était un tuyau.
ça c'est fait. Alors, magie 1/2. C'est bien ça. C'est abusé, je fais toujours full PM. J'ai pas regardé celui-là. Ça a l'air d'être un cul-de-sac, mais il y a peut-être des plateformes sur lesquelles je vais pouvoir sauter. Je sais plus ce que je fais. Non, ça suffit pas. Nice, un nouveau sort. De toute façon, à mon avis, tous ceux que j'ai pas sont ici. Hein. Il doit m'en manquer encore au moins un ou deux. On va vérifier ça. Alors, il me manque un sort de magie blanche. C'est celui-ci qui m'intéresse à mort. Et un de magie noire, c'est évidemment Terra Maxi. Ah bah c'est tout.
Voilà. Voilà, c'est naze, il est moins bien. Qu'est-ce qu'il fout tout seul lui? Il s'est paumé ou quoi? Ah oui, ok. Ouais, bah c'est bon. Ah oui d'accord, elles ont vraiment pas de points de vie hein. En plus j'ai tellement de trucs de protection, je risque pas de prendre beaucoup de dégâts ici hein. Ah, je crois que je suis revenu en arrière là. Alors ça c'est pour la compétence, mais je sais pas si ça marche pour les sorts. De toute façon ça sert à rien, elle va agir juste après Ming. Niveau PC ça paye par contre hein. 14 là sur un combat, aussi simple que celui-ci, ça vaut le coup. Hein. J'arrive pas à appuyer sur le bouton. Alors, ça mène où ça?
La section des machines, j'y suis déjà allé ou pas? Je crois pas, hein. Non, ça me dit rien. À mon avis, faut que j'atteigne le terminal. Ah bah il y en a deux. Il manque un ascenseur ici. Troisième terminal. C'est un vrai bordel cette zone. J'ai l'impression de retourner dans les mêmes salles à chaque fois en fait. Est-ce qu'il faut que je descende ? Ça va plus vite comme ça. Ah bah voilà, Terra Maxi. Du coup, il me manque plus qu'un sort et c'est celui dont j'ai besoin. Ah merde, comment je l'actionne celui-là? Je peux pas en fait. Ah oui, ça fait comme l'autre salle. Oh, il a l'air bousillé celui-là. Qu'est-ce que c'est? Un interrupteur, mais impossible de l'atteindre d'ici. Ah bah attends. Ah oui, cette fois il y a un truc. Et ben voilà.
Attends, je suis arrivé par où, moi? Je crois que je suis arrivé par celle-ci. Parce qu'il faut que j'atteigne l'autre terminal, je pense. Oh, le bordel. Là, je reviens en arrière, je pense. Je continue par là, peut-être. Putain, il y a deux ascenseurs. Est-ce que c'est pas de là d'où je viens? Oh là là. Je sais plus si je suis déjà venu ici. Non. Je suis pas venu ici. Ça devrait suffire. J'en suis où des skills là? Ah bah quasiment. Parce qu'à coup de 14 points quand même, ça monte quoi. Je crois même que j'ai viré les doubles PC, mais je suis pas sûr.
C'est bizarre ces machins. Est-ce qu'il faudrait pas tous les tuer pour débloquer un truc? Quand même curieux quoi. Oh, j'ai pas envie de faire de magie, c'est trop long à lancer. Joli! Mince! Je vais y arriver. Là aussi, il manque un ascenseur. J'ai failli ne pas la voir celle-là. Ah oui, là je pouvais pas passer à cause de ça. Donc ça m'a permis de passer outre. Je suis pas venu ici apparemment. Ou alors ça respawn. Après, avant de grimper, il y avait aussi un tuyau dans lequel je pouvais entrer. Bon. Par contre, je peux pas remonter quand je prends un tuyau, donc je sais pas trop où ça va me mener. Non, je suis pas venu. Thank you.
Ah, je pensais que ça l'aurait fumé d'un coup. Alors, magie 1-2 pour Ming. Je vais lui laisser. J'avais oublié ça aussi. Putain, j'ai toujours pas pris un niveau avec lui. C'est abusé. Va falloir que je pexe ça ailleurs, quoi. Alors, oh, c'est les Power Rangers quoi, il y en a de chaque couleur. Le bleu, on va faire du feu, non? Non, contre l'eau, c'est de la terre plutôt. Le vert pour le vent, peut-être? On sait rien du tout. Je vais essayer au petit bonheur la chance. Sur qui j'ai balancé des sorts là? Dans le doute, je mets à l'extrême. Je fais du gros n'importe quoi là. Ah d'accord. Ok, il y en a qui sont insensibles au coup physique apparemment.
J'avais tapé lequel avec elle? Je sais plus. Alors, celui-ci craint le physique. Non, je vais le finir avec 7 justement. Le bleu, le vert. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je sais comment je vais me démerder. C'est pas la meilleure des manières que j'utilise là. J'ai fait du vent sur cela. Avec Sarah, je vais continuer sur du vent avec les autres. Ok. Ah bah voilà. De toute façon, je risque rien, j'ai tout contre les éléments alors. Force, force. C'est quel type d'élément ça? C'est non élémentaire normalement. Alors le seul qu'on n'a pas tapé en physique, je crois que c'est celui-ci. Peut-être celui-ci aussi. Je sais plus. Est-ce que je peux pas essayer un sort genre ombre non élément? Je vais essayer sur tout le monde et je vais en faire deux comme ça. Ça va peut-être suffire si ça les touche. Et l'autre c'était quoi déjà? Ça doit être dans magie noire. Force. Pas trop lequel, donc sur les deux. Le bleu, je vais essayer la terre. Est-ce que j'ai pas déjà essayé? Si on part du principe que c'est l'eau. Et il me reste quoi d'autre? Le vent, j'ai testé sur le jaune, je crois. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Je vais essayer l'eau parce que je crois que ça avait pas fonctionné sur le rouge. Non, c'est pas ça. Putain, je sais plus ce que j'ai fait. Ah, j'en ai trouvé un autre. Alors, il y en a un qui fait terre, donc normalement il devrait être sensible au vent. Et l'autre à la terre. Pourtant, j'ai essayé la terre sur les deux, je crois. Bon. Je vais essayer autrement. Elle va faire Pyro. De toute façon, il en reste que deux. Elle va faire Aqua. Parce que je sais plus où j'en suis de toute façon. Lui, il va taper le jaune, puisque je sais plus lequel j'ai tapé. Et elle va faire le vent. Ça marche pas. J'ai un sort de lumière aussi. Luminosité. Putain, c'est dans quelle catégorie déjà?
Ça doit être magie blanche. Ah bah voilà. Il me reste que la terre à essayer et la magie blanche. Et peut-être le physique du coup. Alors magie blanche. Ça doit être là-dedans, luminosité. Tiens, c'est là. Mince, j'ai pas essayé la terre. Mais je crois que j'avais déjà essayé sur lui. Ah, terre. Normalement, ça aurait dû être le vent. C'est pas la lumière. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les malus, sinon. Le poison, tout ça. Qu'est-ce qu'il avait fait, Gongora? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai paralysie, sommeil, poison. Ouais, c'est poison. Parce que je crois que j'ai tout fait, là. Hein. Pierre. Présent. Malédiction. Les seuls qui font potentiellement des dégâts. Il y a mort sinon. Allez-y, ça fait pas de dégâts. Pierre peut-être. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mort, force. Force, je l'ai fait, je crois. On va essayer. Prisme, prisme c'est quoi? Ah, j'ai pas essayé ça. Je vais en faire un mini comme ça je saurai. Ça, ça marche pas. Ah bah c'était bien terre. Ok, il y a un truc qui est apparu au centre de la carte. Très bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va se retrouver très prochainement pour la seconde partie du Grand Sceptre qui se situe en plein milieu de la carte. Ce sera pour très bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Bye bye.